première position. On va commencer par l'extérieur. Et il a réussi à s'inscrire d'ailleurs grâce à une belle performance en consolation. Mesdames et messieurs, je vous demanderai, on va faire le barème avec les applaudissements. Applaudissez-les tous très fort. Si vous avez des particuliers, criez ce mot-là en plus. On va faire le 139, mesdames et messieurs, du 21 aux États-Unis, sur une Harley 4. On applaudit bien fort, on est le 139, Ronnie Radburn. Il est d'Ontario sur Skidoo avec la motoneige bleue et blanche. Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort Mike Weatherhill. Plus vous applaudissez, plus vous allez vite. Il a gagné déjà le sprint 540 et une autre classe qui m'échappe pour l'instant de Allen, Ontario. Portant de sang numéro 33 sur Skidoo. Mesdames et messieurs, Andy Van Belder. Celui qu'on surnomme le Flying Dutchman. Portant le 282, c'est sans doute un des plus jeunes sur la piste présentement, 22 ans seulement. Réplanons aux États-Unis sur motoski. On applaudit bien fort, mesdames et messieurs, Bill Bickford. Portant le 200 numéro 26. Avec Skidoo encore une fois, et les États-Unis au Michigan, pour être bien précis, mesdames et messieurs. On applaudit bien fort, Dave Lemon-Schneider. Pour une deuxième année consécutive, encore une fois dans la finale, portant le 200 numéro 3 de Zion aux États-Unis sur Skidoo, on applaudit bien fort Greg Goodwin. De Zion, Illinois également, le frère de l'autre, portant le 200 numéro 4, a-t-il besoin de présentation, mesdames et messieurs, Jeffrey Goodwin. Machine à faible pont de son cru. La Wall spéciale de River Falls aux États-Unis, portant le 200 numéro 74, Dave Walsh. De Mont-Saint-Grégoire sur Skidoo, portant le 200 numéro 77, mesdames et messieurs, Pierre Gingras. Wolf, il y a plus Gingras là-dedans. Ça va le pousser certainement. Le meneur au point jusqu'à présent au Chamonix, nos pro portant le 200 numéro 15, courant pour Bombardier. Mesdames et messieurs d'Ontario, on applaudit bien fort le 200 numéro 15, Gary Messer. Il a été très gentleman, laissant son frère passer pour un point de plus et lui permettant plus facilement d'accéder à la finale. D'Ontario également, le frère de l'autre, le petit jeune, si vous voulez, sur Skidoo, on applaudit bien fort, mesdames et messieurs de Holly Harbour, Ontario, Bruce Messer. Et le dernier, mais non le moindre, celui qui a remporté, vous le savez tantôt, la Coupe Jim Dima sur Skidoo de 5 cadets, mesdames et messieurs, Alain Durand. Les deux Québécois semblent avoir retenu le plus d'applaudissements. On verra qu'est-ce que ça va donner. Selon leur position d'ailleurs, lors des qualifications, on a donné de points acquis. C'est les coureurs vont déterminer leur position. Ouest, surtout dans la ligne droite, la deuxième ligne droite, ça rend le tout très difficile de voir l'action. On remarque la motoneige de Bill Bickford, de Epson aux États-Unis sur motoski.
74 des voies, avec la des voies spéciale, comme je disais tantôt. Une machine extrêmement rapide dans la ligne droite. Des voies, c'est un émission qui se mène. Le soleil nous rend difficile. La difficulté dans le gaz. Septième position, pour Pierre Gingras. Malheureusement, il est favori de la foule. Thank you.
I'm gonna go and coordinate the. When you're finished, I love budget, okay? That's the scooter. That's the machine. There he is, he's up there now. Get him to give me his attention, Tony. Hey, attention. As the wreath is put on his head. Drinking. I got that. I don't have close up, but I have it. This is life. This is life.